Accrochez-vous, chers compatriotes. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Trois lieux, une heure, allez, deux heures d'attelage, oui, avec ces bourrins-là. Oui. Mais oui, ils ont l'avoine solide. Parce et, que et vous odorante. Avez administré une avoinée au tavernier. Oui, oui, oui. Il s'en est plein, oui, auprès de moi. Ça n'est pas la même avoine, hein, dont nous parlons. Oui. Sur ce, comme nos musiciens s'impatientent, oui, peut-être faudra-t-il aller signer, ah, m'avez-vous oui, dit, oui, l'acte tout à fait de présence de votre personne, illustre personne, ici à Ferrer-Valchouéla. Donc, de ce pas, allons signer. Voilà. Monseigneur, soyez ici le bienvenu dans notre maison des arts à Ferrer-Valchouéla en ce 27 février 1766. Mais d'abord, vos manants et bourgeois, je les trouve bien bavards. Ils ne sont pas kakoshim, mais ils discutent. Est-ce déjà le fait d'avoir plaisir d'essayer la belle langue française, peut-être, qui les attend à partir de la signature de l'acte? Alors, nous allons d'abord signer l'acte de transmission de feu le duché de Lorraine vers le royaume de France. Monsieur le secrétaire, où est-il? Il se promène déjà comme d'habitude. À monsieur le maire Jacques Feyd. Je vous donne avis, monsieur, que le roi vient de vous élever au titre de grand prévôt de Ver-Eberswiller avec droit de basse justice, c'est exceptionnel, dans le grand gouvernement de la Lorraine et du Barrois, créé pour la gestion de la dite nouvelle province du royaume. Je vous envoie les ordres que Sa Majesté a fait expédier pour votre réception. Vous les présenterez à Monsieur le Président à votre retour aux affaires afin qu'il vous fasse connaître en conséquence. Je suis, Monsieur, votre très affectionné serviteur, signé le Duc de Choiseul. Faites attention à vos gants, monsieur le maire. Vous n'en avez qu'une paire. Je tremble d'émotion. Nous voyons, nous voyons. Eh bien, la transmission est terminée. Dès demain, de nouveaux édits vont être placardés avec les premiers impôts supplémentaires. Seigneur. C'est parfait. En attendant, nous en reparlerons à l'église, oui, sous la bénédiction de l'abbé Molitor. Oui. En attendant, profitez encore de ce dernier beau moment, qui est un moment musical comme il se doit, pour souffrir.